Salut tout le monde, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez vu au titre à la miniature. Aujourd'hui, petite présentation et test de une petite pocket bike bien modifiée comme la mort. En vrai c'est faux, j'ai juste rajouté une ligne, j'ai changé la durite. Et bah, j'ai fait des yeux, j'ai d'être ça mais ne le dites pas, ça va je le sais. Bon bref, aujourd'hui on va aller dans un nouveau spot, on va tester la petite pocket là. Elle marche de fou malade, je vais pas vous mentir hein. On se retrouve là-bas, c'est parti. Allez les mecs, c'est parti. Les mecs, j'ai mis un petit compteur ici, vous pouvez voir. Mais c'est pas les vraies mesures parce que la roue en fait elle est trop petite. Du coup c'est comme si on divise la vitesse par deux en gros. Bon, allez là je vais taper dedans, je l'ai chauffé, c'est parti. Elle marche de baiser la moto, la reprise qu'elle a. J'ai juste ouvert le cylindre avec une lime. Et j'ai aussi enlevé le filtre à air pour qu'il y ait plus d'air qui rentre. Et les gens, je suis pas à fond là. 82. À la reprise, hein. À la du couple, la mort. Elle est trop puissante, c'est abusé. Par contre, comment elle consomme, hein. Parce qu'en fait, on a agrandi la durée, du coup, il y a plus d'essence qui part. Et en plus, il y a plus d'air. Du coup, elle consomme, ouais. Un mélange à 2% c'est mieux, même un peu plus. Comme ça huile bien tout le moteur. Après je vais vous la présenter, du coup restez bien jusqu'à la fin. Parce que je vous ai pas tout dit sur cette moto là. Donc voilà, on passe à la présentation de la moto. Du coup là j'ai mis une petite poignée ProTaper bien cassée. Et l'autre c'est pas la même parce que voilà quoi. Cette moto là a beaucoup de défauts mais bon elle marche comme de la mort, du coup je m'en fous. La bavette a été frottée, croyez pas, je suis levé, je l'ai juste cassé. Je suis tombé, j'ai mis un petit compteur ici. Mais les kilométrages c'est, je pense pas que ce soit les vrais parce que si j'écoute le truc, je suis allé à 84. Et c'est pas possible que je suis allé à 84. Le bail je l'ai mis juste là le capteur. Mais comme la roue elle est petite, je pense que c'est divisé par deux. Parce que la roue elle doit tourner vite. Parce que du coup le truc il passe beaucoup plus de fois. Et du coup ça se base sur une roue de vélo je pense. C'est pour ça, c'est pas un compteur de moteur thermique. Bref, on passe à autre chose. Du coup voilà, petite autocollant Scoot Fast. Les vrais ils connaissent c'est qui, tout ça.
Du coup voilà, bah clairement moi j'aime pas ça là. Le plastique, c'est même pas un kit déco, c'est un plastique. J'aime pas beaucoup la carrosserie. Du coup voilà, là bah petit cale pliable. Bah voilà la durée que je vous disais, j'ai agrandi le trou. Du coup il y a plus d'essence qui vient et du coup elle consomme plus. Vous voyez comme là-bas là. Attendez, je sais pas si vous voyez bien. Ici là, il y a une ouverture. Et normalement, à la place du truc noir au-dessus, on met un filtre à air. Moi, j'en ai pas mis, comme ça aspire plus d'air, mais du coup, elle consomme plus. Bah, elle marche mieux. J'ai aussi ouvert le cylindre avec une lime pour que, bah, aussi, il y ait plus d'air qui rentre. Tout ça, le diamètre, en gros, il s'agrandit. Du coup, elle marche beaucoup mieux. Le petit rond ici, il y avait un aimant, mais je l'ai enlevé. Il y avait aussi une béquille, mais on a tout enlevé pour la ralléger au max. J'ai mis une petite ligne Yasuni. C'est une fausse ligne parce que j'ai mis juste un autocollant. Mais avant c'était une d'origine, mais j'aimais pas parce qu'elle frottait trop par terre. Celle-là elle est un peu mieux, elle est, on va dire, même pas 10 cm. Mais bon, elle est bien accrochée. J'ai mis de la pâte à joint parce que ça fuyait et tout. Ces moteurs-là ils chauffent pas mal, mais je trouve ils sont bien refroidis. Parce que là vous voyez, je l'ai cramé. En vrai ça passe, je trouve. Il n'y a aucun refroidissement par liquide, c'est que par air. C'est pour ça que le cylindre il est rayé comme ça. En gros, moi mon truc pour arrêter la moto quand elle est démarrée, c'est ce petit truc là, je sais pas si vous voyez bien en fait. Attendez, voilà, là vous voyez bien, il y a un petit métal ici, là vous voyez le métal qui sort là, qui a percé le caoutchouc. Ben juste j'appuie, je touche mon doigt sur ça, ça me fait une petite étincelle et ça coupe la moto. En gros parce que il faut qu'il n'y ait rien qui touche ça, sinon bah ça coupe et l'étincelle elle passe plus. Du coup comme mon doigt c'est pas conducteur d'électricité. Wesh, regardez le bélier. Mais c'est un grand malade. Regardez. Et je vous jure, c'est un malade. Et je vous jure, les mecs, SPL, il est méchant. C'est trop un fou. Moi, j'aime bien le petit amortisseur orange. Franchement, je trouve ça beau. Bon, bah là, il manque une vis, mais c'est pas qu'il la manque, c'est qu'elle a cassé dans l'embrayage. Bah, franchement, je trouve qu'elle marche bien. Elle marche très bien, je trouve, pour une pocket bike. Là, j'ai mis juste un étrier là. Derrière il y a juste le disque, mais je l'ai pas mis parce que flemme de faire tout le fil et tout. Et aussi un truc que je voulais vous préciser, c'est ça, c'est la poignée de frein en fait. Et elle tient avec du scotch parce que si vous voyez bien elle est cassée. Mais ça tient bien, ça freine pas des masses, mais en vrai ça passe je trouve. Et du coup là on passe à la plaque avant. J'ai fait les yeux, j'ai pris un modèle sur internet, en vrai elle a une belle gueule. Petite suspension anguille là. Bref non c'est faux, c'est des suspensions super cross. Bref. Petits yeux HM, c'est mon blaze. Du coup on a fait le tour hein. Franchement elle est bien je trouve. Petit casque, je sais pas si je vous l'avais déjà présenté. Petit casque GoPro Hero 9, là je suis avec la Hero 7. Hornil, j'aime ce casque, l'incroyable. Du coup bah les mecs, je pense qu'on va refaire un petit tour et on va se quitter hein. Regardez, c'est ça que je vous disais. Là par exemple, la bécane elle est démarrée. Et pour l'éteindre, j'ai juste à toucher sur un métal qui est là. Je me reçois un petit coup de jus, mais en vrai ça passe, c'est un bon stop genre. Oh, regardez ce beau plan là. Oh là là. Bon les gars, en parlant de la moto,
cette magnifique bête bien cramée. Carrément, même l'autocollant Yasuni, il a cramé. Là, elle est brûlante, la moto, je vais pas vous mentir. Hein. Je l'ai cramé comme jamais. Si en bas de cette vidéo, il y a 200 pouces bleus, j'achète un kit Big Board sur la moto. C'est-à-dire une culasse, un piston, un carbu, tout ce qui va avec un embrayage renforcé. Elle va être racing. Non, j'ai flop. Bon les gars, comme je vous ai dit, 200 pouces bleus en bas de cette vidéo, j'achète un kit Big Board, c'est sûr. Et je le monte en vidéo et on ira le tester ensemble. Déjà là, elle marche. Alors avec un kit Big Board, ça marchera encore mieux. Bon les mecs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo à tous vos potes. Moi en tout cas, elle m'a grave plu avec la petite bécane. Bon les mecs, on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo, ciao.